fragile. Entre tes bras, si calme et si tranquille. Auprès de toi, si c'est si facile. Quand tu es là, mais c'est trop difficile. Quand tu t'en vas. Mais c'est trop difficile. Quand tu t'en vas. J'adore. Et tu vois cette scène-là? Mmh. Et ben, ça me rappelle le jour où t'es venu chez mon père, déguisé en prince sur ton beau cheval blanc. Ah, n'en parle pas. C'était le jour de la fin de cette horrible histoire. Et je cherchais désespérément une idée pour te prouver que t'étais la seule que j'aimais. Et pourquoi l'idée du cheval? Je me suis dit que t'étais une princesse et que seul un chevalier pouvait t'emmener. Et ben, tu vois, ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Aussi. Ah mince, excusez-moi, j'arrive trop tôt. Je pensais que vous avez fini. Fini quoi? Ben, vos retrouvailles. Bon, le bouquin, faudrait qu'on s'y mette. Le bouquin? Mais quel bouquin? Bah, le tien, Fanny. On va commencer par faire une table des matières. Comment ça, une table des matières? Oui, déterminer les différents chapitres. Tu vas parler de ton enfance, de ta famille. Ton adolescence, tes études, ta musique, tout, quoi. Ah bah dis donc, c'est un sacré boulot. Oui, mais c'est un bouquin qui va passionner tes fans. Tu crois? Évidemment, puisque j'en suis une. Bon, vous savez quoi, les filles, je vais vous laisser tranquille. Vous allez parler du bouquin, moi, je vais finir de me préparer, hein. Tu veux pas rester avec nous? Mais non, t'as vu la tête qu'il a. Vas-y, Christian. Bien, chef. Il a compris qu'il fallait nous laisser bosser. Il est bien, ton mec. Ouais, il est vraiment super. Bon, alors? On commence par quoi? Il faudrait récupérer toutes les photos de toi petite. Comment on fait? Oh bah elles doivent être toutes chez mon père. Bah très bien, alors on va chez ton père. Maintenant? Ah bah oui, dépêche-toi. Bon. Il était super belle quand même. Ah Charlie. Ah, j'ai le droit de te dire que t'es belle. Bon bah merci, c'est gentil. Faut que je prévienne mon père quand même qu'on arrive. T'as eu ton père? Ouais, il est en train de s'occuper des albums photos. Bah, j'ai hâte de voir ta tête quand t'étais petite. Tu devais être adorable. Je sais pas. En tout cas, je peux te dire que j'étais un vrai garçon manqué. Ah, ça m'intéresse, ça. Charlie. Et c'était génial, la journée d'hier. Moi aussi, j'ai adoré. Moi, j'ai pas osé le dire devant Christian tout à l'heure, mais j'ai surtout adoré te masser. J'avoue, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout que j'étais tellement tendue. Tu m'étonnes après 4 heures de dédicace. Et je me demande comment tu fais pour être toujours aussi souriante. Oh, bah tu sais, c'est facile. Quand je rencontre les gens comme ça qui me soutiennent, c'est tellement un pur bonheur. Et rien qu'à l'idée de me dire qu'ils attendent des heures, parfois juste pour avoir une photo, un câlin, un bisou, c'est magique. Mais tu te rends pas compte, c'est génial pour eux. Ils rencontrent leur idole. J'aurais attendu des heures, moi aussi, pour te voir. C'est gentil, ça. En tout cas, je peux dire que je les aime vraiment. Et ça se sent. Ah, tiens, qui ça peut être? Regarde, ça doit être Christian. Tu me donnes ton téléphone comme ça si c'est pas Christian? Bah si c'est pas Christian, c'est mon père et j'ai pas grand chose à cacher. Ok, mais il est verrouillé. Vas-y, mets-le devant mon visage. Ça marche, c'est génial. Contrôle facial. Alors ok, message. C'est ni Christian, ni ton père. Bah c'est qui? C'est ton amoureux, Stéphane Carra. Et qu'est-ce qu'il veut? J'espère que tu es bien rentrée, je n'arrête pas de penser à toi, j'écoute tes chansons en boucle, t'es géniale. Bise, Stéphane. Ça va, c'est plutôt gentil. Oui, il te drague comme un malade, mais c'est gentil. Tu veux que je réponde? Oui, je veux bien. Mets-lui un truc du genre coucou Stéphane, merci, c'est gentil, bise Fanny. Voilà. Bise, t'es sûre? Il m'écrit bise, je lui mets bise, ça va, y'a rien de mal. Ok. C'est parti. Je supporte pas ce mec. Il sait que t'es avec Christian et il te drague. Oh, t'inquiète pas, j'étais très claire avec lui. Il sait pertinemment qu'il a aucune chance avec moi. J'espère qu'il a aucune chance. Et au fait, tu vois, j'ai bien réfléchi. C'est vrai que t'as absolument pas le droit de faire quoi que ce soit avec un garçon par rapport à Christian. Alors, ni le droit, ni l'envie d'ailleurs. Oui, oui, mais avec une fille, ça compterait pas. Charlie. Ben, avec une fille, ça compterait pas. Je maintiens. Oh là là, je me rappelle de celle-là.
C'était génial. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Tu t'étais perdue dans un champ de coquelicots, tu croyais que c'était des bonbons. Ouais, t'étais déjà canon à cette époque. Non mais n'importe quoi, j'étais une petite fille comme les autres. Ah si, regarde ton nez, ta bouche, tes cheveux, t'étais sublime. Mais dis-donc, on dirait que mademoiselle t'aime bien. Si vous voulez tout savoir, je rêve d'être votre belle-fille. Elle plaisante. Ah non, pas du tout. Je suis amoureuse de votre fille, mais c'est pas de ma faute. Ah bah, enfin, je veux dire, je suis pas homophobe, mais Fanny... Non mais, papa, rassure-toi, elle sait très bien que je n'aime que Christian et qu'il n'y a que lui qui compte. Et oui, hélas. Mais comme je lui ai dit, avec une fille, ça compte pas. Oui, mais mon cœur n'a qu'une seule place, alors qu'est-ce que tu veux? Hé, hey, je trouve un album. Ah, super, Pierre. Merci. Eh bien, je vous présente Pierre, c'est un ami, il m'a aidé à chercher les albums dans le grenier. Bah, attends, c'est normal, on habite ensemble. Ah, mais je comprends, mais pourquoi vous êtes pas homophobe, alors? Enchantée, Charlie, je travaille avec Fanny. Non, alors, c'est pas du tout ce que tu crois, en fait. Pierre et mon père sont juste amis, c'est tout. Ah, mais ça me regarde pas. Voyons cet album. Oulala, là là, mais c'est mon album, ça. Oui, c'était des amis avant que je rencontre Lali. Eh ben, tu étais déjà un tombeur, papa. Ouais, bon, c'était avant ça. Hein. Ah ouais? Tu peux voir? Ah ouais, quand même. Ouais, c'est bon, Pierre, et on a dit qu'on regardait les photos de Fanny quand elle était petite, ça va. Oh, ok, d'accord, excuse-moi. Mais c'est drôle, je vois aucune photo de toi avec tes parents. Elles sont où? Elles doivent sans doute être dans un autre album, dans ma chambre. Bah, je peux aller les chercher si vous voulez. Non, mais c'est bon, t'embête pas, ça va aller. Bon, on a assez de photos, là. Ton bouquin, il va être super.